Autre action salutaire civique, le Toyota pick-up des matériels de protection et de défense, c'est la composante de la donation que vient de bénéficier le groupement spécial d'intervention de la gendarmerie nationale. Le geste est à l'actif du ministère américain de la Justice. La valeur est estimée à 1,6 milliard de nos francs. Boubacar Sissoko. Une armée bien aguerrie ne saurait être efficace sans équipements adéquats. Dans cette dynamique, le ministère américain de la Justice, à travers l'ambassade des États-Unis au Mali, vient de doter la force d'élite de la gendarmerie nationale, notamment le groupement spécial d'intervention de la gendarmerie nationale, en véhicules tout-terrain et autres matériels militaires de protection et de défense. La valeur des équipements est estimée à 3 millions de dollars américains, soit 1,6 milliard de francs CFA environ. Des équipements qui peuvent renforcer la capacité des Maliens de réagir aux attaques terroristes, de protéger la population. Nous, les diplomates, nous sommes aussi résidents de cette ville. Alors ces unités ici, c'est eux qui doivent réagir s'il y a une autre attaque qu'on a vue à Radisson Blu. En effet, on a commencé avec la formation de ces unités. Les autorités de la sécurité ne peuvent que de se réjouir de cet appui conséquent des États-Unis à l'endroit du Mali, qui du reste renforce les capacités d'intervention de cette force d'élite de notre gendarmerie nationale. Cela va permettre de renforcer les capacités opérationnelles de nos unités. Surtout, ces unités ont déjà fait leur preuve dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et une bonne occasion aussi, nous avions un représentant du Sénat en mission au Mali ici présent. Je lui ai aussi demandé d'être notre messager auprès du Sénat pour leur demander de nous accompagner, de nous soutenir. La cérémonie de remise a été bouclée par une démonstration des éléments du GSIGN qui ont délogé des présumés terroristes. L'opération s'est déroulée avec succès.